الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ceux qui ont été ordonnés, que soient les gens de livre, les communautés précédentes et nous aussi, d'adorer Allah Ta'ala en lui vouant l'unicité, en l'adorant seul, sans rien lui associer, et d'accomplir la prière et de s'acquitter à la zakat si on a le seuil. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: قدم الله ليس زمانيا. L'éternité de Dieu, son début, ne dépend pas du temps, parce que le temps a existé après l'existence de l'eau. لما وجد الماء بعد لحظة صار يتصور وجود الزمان والمكان. Alors par l'existence de l'eau, on dit voilà, après le temps a existé et le lieu. Mais avant, il n'y avait ni du temps ni des lieux. La première créature, c'est l'eau, et par de l'eau, Allah a créé les êtres vivants. فالله لا يجري عليه زمان لأنه ليس لوجوده ابتداء. الله سبحانه وتعالى ne dépend pas du temps parce que son existence n'a pas de début. قال رحمه الله: الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان وقبل الظلمات وقبل النور. L'auteur a dit que Allah تعالى existe avant le temps, avant les lieux, avant les places, avant les ténèbres et avant la lumière. فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف كالأرض والحجر والكواكب والنبات والإنسان. Allah n'est pas du monde épais ou dense comme l'être humain, les pierres, les arbres. C'est des corps palpables, c'est les corps denses. وليس من قبيل العالم اللطيف كالنور والروح والهواء والجن والملائكة. Et n'est pas du genre du monde impalpable comme la lumière, comme les anges, comme les djinns, comme le vent. C'est des corps impalpables. Allah la yushbih hadha wa la hadha. Allah ne ressemble ni aux créatures palpables, ni aux créatures impalpables, ni aux créatures denses et épais, comme l'être humain, comme l'arbre, les pierres, les montagnes, et ni au corps impalpable, comme je dis, la lumière, les anges, les djinns. لأنه مخالف للحوادث, parce que Allah Ta'ala est différent de toutes les créatures. والله أنزل هذا في محكم القرآن الكريم فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنزل هذا في سورة عظيمة لما سأل المشركون عن صفة الله فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله a révélé son exemption dans le Coran الكريم, qui est l'aya qui signifie rien n'est tel que lui et il est celui qui entend qui voit, et dans une sourate qui a un grand mérite dans le Coran الكريم, qui signifie, dit que Allah Ta'ala est l'unique qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de similaire. As-Samad, c'est lui qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. Lam yalid wa lam yulad, n'engendre pas, n'a pas été engendré, alors n'est pas une substance, n'est pas une matière, n'accepte pas la division. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'a pas de similaire. Fa in qila alaysa min asma'i Allah ta'ala al-latif. Fal jawab anna ma'na al-latif alladhi huwa ismun min asma'i Allah ar-rahim bi'ibadihi aw min ma'anihi alladhi ihtajaba 'an al-awhami fala tudrikuhu. Si quelqu'un nous dit, mais parmi les noms de Dieu, Al-Latif, parce qu'il pense que si on dit Al-Latif, qu'il ressemble à la lumière ou quelque chose pareil, pas du tout. Al-Latif, parmi les noms de Dieu, il a des significations. Parmi les significations, c'est lui qui est clément envers les créatures. Al-Latif ou bi'ibadeh, yani Al-Rahim.
Celui qui est clément, celui qui est miséricordieux envers les gens. Et parmi ces significations, celui qu'on n'arrive pas à le connaître par notre imagination. On ne peut pas l'atteindre, à atteindre sa réalité par notre imagination. فالله تعالى لا تبلغه الأوهام أي لا تبلغه تصورات العباد لأن الإنسان وهمه يدور على ما ألفه من الشيء المحسوس الذي له حد وشكل وهيئة وصورة ولون ونحو ذلك. الله تعالى n'est pas une chose qu'on peut l'atteindre par l'imagination parce que l'imagination de l'être humain tourne autour des choses qu'il a l'habitude de les voir. Alors on a l'habitude de voir des choses avec aspect, corps, physique, image, membres, couleurs, formes, limites, quantités. Et Allah est différent de tout ça. Alors c'est pour cela qu'on ne peut pas l'atteindre par l'imagination. لذلك نهينا عن التفكر في ذات الله وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته. Nous sommes ordonnés de méditer dans la création des créatures parce que ça nous ramène à croire que Allah Ta'ala est le Tout-Puissant. Ça nous fortifie la foi lorsque tu regardes les montagnes, le soleil, la pluie qui tombe, les fruits qui sortent de la terre avec plusieurs goûts, les fleurs qui sortent avec plusieurs odeurs, l'être humain comment il voit avec un organe en graisse, il entend avec une oreille en os, parle avec une langue en chair, comment il a les articulations, 360 os et articulations, tu dis, mais Allah est grand, Allah est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé toutes choses, subhanallah. Ça fortifie la foi. Alors, là, on est ordonné de méditer dans les créations pour appuyer notre foi et augmenter et fortifier. Mais ça nous a été interdit de chercher à savoir la réalité de Dieu, parce que ça, c'est pas dans nos capacités de savoir la réalité de Dieu. أمرنا بالتفكر في مخلوقاته ونهينا عن التفكر بذاته عز وجل. قال رحمه الله فلا نظير له تعالى أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفة من صفاته ولا في فعله. الله تعالى n'a pas de pareil par son être, n'a pas de pareil par ses attributs, n'a pas de pareil par ses actes. Parce que l'acte de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. L'acte de Dieu, ce n'est pas comme nos actes qui sont créés. L'acte de Dieu, c'est un attribut. Et les attributs de Dieu ne sont pas créés. Lorsque tu dis Allah a créé les créatures, Allah nous a donné la pourvoyance, Allah a fait mourir, Allah a fait vivre. L'acte de Dieu, c'est son attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها. Parce que si Allah Ta'ala ressemble à ses créatures par un attribut, comme le fait d'être corps, comme le mouvement, comme l'immobilité, alors si Allah a les attributs comme les créatures, alors c'est pas valable qu'il soit le créateur, parce que puisque sont pareils, si les deux sont pareils, et quelqu'un il a dit celui-là a créé l'autre, et quelqu'un il dit mais puisqu'ils sont pareils pourquoi tu n'as pas dit l'inverse. Si quelqu'un il dit A égale B et il a dit A fait B, quelqu'un il te dit mais pourquoi tu n'as pas dit c'est le B qui a fait le A puisque sont pareils, sont similaires. الشرح ذات الله معناه حقيقة الله لا الذي لا يشبه الحقائق. Lorsqu'on dit l'être de Dieu, la réalité de Dieu ne ressemble pas aux êtres, aux autres créatures. ذات الله لا يشبه ذات المخلوقين وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures par son être ni par ses attributs. On dit par l'être de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. وصفات المخلوقين حادثة يجوز عليها التطور والتغير. Les attributs de l'être humain est une chose accidentelle et créée et ça peut changer, elle subit de changement. كل يوم انت بتتعلم اشياء. Chaque jour tu apprends, tu découvres ou tu oublies. Alors c'est un changement. C'est un changement. Alors nos attributs sont créés. نحن صفاتنا حادثة. علمك اما يزداد واما ينقص فاذا هو متغير فعلمك حادث.
فلا يتصف الله تعالى بصفة لم يكن متصفا بها في الأزل. الله تعالى n'aura pas un attribut en plus qu'il n'a pas par par son non commencement, c'est-à-dire éternellement. Allah n'aura pas un attribut accidentel. Allah ليس له صفة حادثة. والله تعالى يفعل بمعنى يخرجنا عدم إلى الوجود. Lorsqu'on dit l'acte de Dieu, c'est dans le sens Allah fait surgir du néant à l'existence, fait exister du néant à l'existence. ولا فاعل بهذا المعنى إلا الله. معنى الإيجاد من العدم، الإبراز من العدم، هذا لله، لا يكون لأحد من خلقه، لا للملائكة ولا غيرهم. La création du néant à l'existence, faire surgir du néant à l'existence, ça c'est à Dieu. Moi je ne crée rien, toi tu ne crées rien, les anges ne créent rien. C'est Allah l'unique créateur. D'ailleurs le mot la ilaha illallah veut dire il n'y a pas de créateur à part Allah. La ilaha illallah, ila khaliqa illallah. فإذا كان لا خالق إلا الله إذن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله لأن الألوهية هي الخالقية. Si Allah est l'unique créateur, alors c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est ça la divinité, c'est la capacité de créer d'union à l'existence. القدرة على الإيجاد. فالله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشيء. وعلى هذا كان البخاري وأبو حنيفة رضي الله عنهما وغيرهما. Allah subhanahu wa ta'ala fait exister les choses par sa puissance, par sa création, sans qu'on l'attribue à lui le toucher ou le corps ou le mouvement. من دون أن ننسب لله تعالى حركة والسكون والاتصال والانفصال. أنت لابد أن تعترف أنك عاجز عن إدراك حقيقته. أما وجوده فكل شيء في هذا الكون يدل على وجوده. Tu dois admettre que tu es incapable de connaître la réalité de Dieu. Mais comment tu affirmes son existence rationnellement? Tu dis tout ce que toute chose autour de moi prouve l'existence de Dieu. كل شيء حولي يدل على وجوده. كيف وجد له؟ وجد له من خالق. ما جاء وحده. ما جاء وحده. ونحن لسنا خالقين. Les choses autour de nous ne sont pas venues seules et ne sont pas des créateurs. Alors c'est Allah qui a créé. قال البخاري والفعل صفة له في الأزل والمفعول مكون حادث. وهكذا قال أبو حنيفة. البخاري a dit l'acte de Dieu c'est un attribut sans commencement et ce qui est créé il a un début. تكوين لله أزلي ونحن المكونون حادث. La création de Dieu n'a pas de début, ce qui est créé il a un début. Toi tu es créé mais la création de Dieu n'est pas créée. وهذا موافق لما عليه الماتريدية وبعض قدماء الأشاعرة من أزلية صفات الفعل. على هذا صفات الفعل قائمة بذات الله. إذا قلت قائمة بذات الله خلاص أزلية. Les attributs d'acte sont des attributs confirmés à Dieu alors sans commencement. صفات الفعل كصفات الذات أزلية قائمة بالذات. على هذا الماتريدية وقدماء الأشاعرة. Les grands savants de l'Ash'ari premier on dit ça al-Maturidiyya. هلا ليش عم نقول هيك؟ لأن بعض الشافعية بيعبروا بيقول صفات الفعل هي آثار القدرة. آثار القدرة. Certains ash'arites disent que les attributs d'acte c'est l'effet de la puissance. يعني ils disent Allah a fait mourir par sa puissance. Allah a fait vivre par sa puissance. Allah a privé celui-là de la pourvoyance par sa puissance. Allah a donné la pourvoyance par sa puissance. Allah a rendu heureux par sa puissance. Allah a rendu malheureux par sa puissance. Ainsi de suite. Et ils disent, ça c'est, on dit des attributs d'acte, mais c'est une chose estimée. Mais c'est l'attribut de Dieu, c'est la puissance. N'a ni commencement ni fin. La puissance. Mais tout ce qu'on dit après acte, attribut d'acte, c'est l'effet de sa puissance. فإذن الأشاعرة كثير منهم يقولون آثار القدرة عن صفات الفعل آثار القدرة. فالقدرة أزلية أبدية قائمة بذات الله. فيقولون أحيا بقدرته، أمات بقدرته، أسعد بقدرته، أشقى بقدرته، رزق بقدرته، نصر بقدرته، كذا، كل راجع إلى القدرة. فالقدرة أزلية أبدية وتلك الصفات سميت صفات من باب التسامح سموها صفات وإلا هي آثار القدرة.
أن كل هذا يرجع إلى القدرة، فيقولون أحيا أمات أسعد أشقى رزق كذا بقدرته، والقدرة أزلية أبدية. والله تعالى هو الذي على هذا قلنا، يعني الحافظ ابن حجر يرجح قول الماتريدية أن صفات الفعل قائمة بذات الله، ليس كما قال الأشاعرة الأكثر أنها آثار القدرة، إنما يقول أحيا بصفة الإحياء، أمات بصفة الإماتة، أسعد بصفة الإسعاد، أشقى بصفة الإشقاء. انتبهت كيف؟ وهكذا. وهذا القول أقوى، هذا القول أرجح، شيخنا يرجح هذا مع أنه أشعري، يرجح ما كان عليه البخاري وأبو حنيفة والماتريدي. لكن القول الآخر ليس ضلال، لأن القول الآخر ما قالوا بحدوث صفة قائمة بذات الله. La vie de la Sha'ira, ils n'ont pas dit qu'Allah il a un attribut confirmé à lui et qu'il est contingent, accidentel ou créé. Pas du tout. قالوا الصفة القدرة قائمة بذات الله وتلك يقال لها آثار القدرة، صفات الفعل. والله تعالى هو الذي فعله لا يتخلف أثره، فإذا شاء حصول شيء إثر مزاولة المخلوق شيئا حصل لا محال. Si Allah a voulu que telle chose aura lieu, si Allah a voulu que telle chose aura lieu, ce que Allah a voulu aura lieu, il n'y a pas de changement. La volonté de Dieu ne change pas. Il dit, personne n'arrive à stopper sa volonté. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.